qui voit, pas gain le temps court en pour secours. Maintenant que nous parler entrer dans l'autre partie, nous pourrons parler de nouvelle lune. La nappe fait nous en nous cap faire on sort de neuf de table ronde entre ses serviteurs ou elle Emmanuel Apla, elle Nelson Apla et puis sœur Blondine Apla. Pour une partie, on va commencer pour nous. On va expliquer nous qui aspect abaya gain avec nouvelle lune. Et puis sœur Blondine va nous dire nous qui effet qui gain de nous-mêmes avec nouvelle lune. Et puis Elder Emmanuel pour expliquer nouvelle lune à travers la Bible. Et puis Elder Nelson pour dire comme ça que qui importance qui gain en tout dans que nouvelle lune. Nouvelle lune c'est un sujet qui concerne tout le monde. Il pas dépend de croyance. Il pas dépend de doctrine. Depuis on monde a vivre nouvelle lune a un aspect li gagne sou. Même si que nouvelle lune n'a pas un aspect sou, mais pleine lune a un aspect sou, la lune en général a un aspect sou. Et ça fait que grand-parents nou yo, les ont fait agriculture, il a planté, il a pêché, il a fait multiplier bête yo, il était toujours à payer fait activité ça par rapport à lune. Mais là où est la lune, où est la création? Parce que lune c'est une merveille que Abba a été créé de la création. Mais on dit nous comme ça que lune a été créé pour que nous te savoir à souhait, tandis que le soleil a été créé pour sa banne lumière dans matin. Est-ce que c'est pour ça seulement lune a été créée? Et depuis nous voyons la création, nous voyons Genèse, nous voyons Moïse. C'est Moïse qui écrit Genèse. Comment que n'a fait comme ça? Nous prenons le livre de Jubilé, chapitre 2. N'a pris le pour. Et l'ange de la présence parla à Moïse, suivant la parole du Seigneur en disant, écris l'histoire complète de la Genèse, comment en six jours, le Seigneur Dieu complétait tous les travaux et qu'il avait créé et garda le repos au septième jour. C'est ça, ange l'an vint dit Moïse, chita là, c'est Abaya qui voyait ange l'an, on parle de tout ça que t'es fait pour aller crier, ou pas l'écrit la création, tout ça que t'es fait pour que, ou pas le montrer que mais ça que t'es fait depuis le premier jour jusqu'au sixième jour, et puis pour montrer que Abba y a reposé le sixième jour. Que nous connaissons que très bien, c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Mais comme on t'a dit, est-ce que la lune est là seulement pour éclairer la nuit? Pour qui ça que Abaya t'a créé lune? Est-ce que seulement c'est pour la lune? Nous parlons encore dans Jubilé, Jubilé 2 verset 4, il dit nous comme ça que et au quatrième jour, il créa le soleil et la lune et les étoiles et les plaça dans le firmament du ciel pour donner lumière sur la terre entière et dominer sur le jour et la nuit. Et séparer la lumière de la noirceur. Et Dieu, éternel Abaya, appointa le soleil pour être un grand signe sur les jours, sur la terre, et la lune pour le repos. Et l'une n'a pas considéré nous. N'a réellement dit l'une réellement bien. La lune pour le repos, pour les mois, et pour les fêtes, et pour les années, et pour les repos des années, et pour les jubilés, et pour toutes les saisons des années.
Et cela divise la lumière de la noirceur pour la postérité, afin que toutes les choses qui poussent sur la terre prospèrent et grandissent. N'a pas retourné encore. Qui ça la lune en fait? La lune a marqué repos. Ou pas qu'à connaître jour repos sans que ou pas gagner lune. Quand comme nous avons dit comme ça que depuis le soleil a couché, journée a changé. Mais des fois que journée a commencé, ou pas la lune. Non. Mais ça qui est réellement plus frappant devant vous, c'est le que moi, c'est lune qui peut changer moi. C'est à la nouvelle lune que moi a changé. Qu'on y a là, nous au sixième mois. Et puis, qui ça lune a fait pour nous encore? L'idée nous l'a fait, yo. Parce que les abeilles ont dit qu'on sait que premier mois, ou soit septième mois, mais si que ou pas qu'on est moi yo ou pas qu'on est ou pas qu'on est qui ça que la parler et puis ce que ou pas qu'on est jour yo c'est la lune qui dit mais le que le mois a commencé mais le premier jour du mois pour nous commencer compter qu'on y a depuis que ou gain jour ou gain mois ou gain année c'est grâce à la nouvelle lune qui dit comme ça que qu'il est année a commencé. Maintenant que si que ou gen année ou gen des années de repos année de repos chez chaque 7 ans pour que terre la reposer et puis après nous disons que nous gen jubilé c'est chaque 50 ans si que ou t'acheter yon terre dans meilleur monde après 50 ans remettre lili si que mon te esclavité vente en esclavage en 50 ans ou remettre lili. Mon avin libre la kaili. Ce qui veut dire que c'est tout ça, c'est la lune. Maintenant que la lune est important comme ça, ou a dit pour même pour qui ça que gessaye de monde qui croit dans autre qui gagne d'autres croyances qui pas nouvelle n'a pas dit rien pour yo. C'est par le fait que même livre que n'a plus information ça ce livre que les jubilés y aurait les apocryphes ça fait y aurait les apocryphes parce que y a été fait y a un conseil en réunion en 325 et le conseil de l'Unicé et puis y a décidé que pour retirer le livre ça yo et puis comme c'est Edom qui t'a décidé pour te retirer le livre ça yo toute religion qui suit Edom yo d'accord avec lui. Et c'est l'église catholique qui te prend en tête là, il dit comme ça que l'a retiré et puis toute l'autre religion yo dit oui. Yo d'accord. Yo retiré parce que yo tout c'est presque c'est même si yo un petit changement on me doit dire comme ça que il changer chemise sur lui et puis le met c'est même maintenant il doit un petit changement c'est même bagaille et pour qui ça que yo pas parler nous de nouvelle lune c'est par le fait que si que yo parle de nouvelle lune tout changement que yo fait yo pas cap faire yo qui changement que yo fait yo changer jour là. Yo du jour pas commencé sur la coucher, jour la commencé à minuit. Yo changer moi, yo du mois quoi commencé à une date fixe. Yo changer année pas commencé en printemps, il commencé en hiver. Dans ce cas que yo tout accepté avec changement ça et ça fait si que on mon autre religion dit qu'on sait que li pas célébrer la nouvelle lune c'est pas li pas connaître sa nouvelle lune c'est par le fait que côté lié a le te qu'il a prendre des décisions depuis 325 contre la nouvelle lune. Maintenant que qui Jean lune a progressé on a vu ça dans Enoch 78 verset 11 à 14. Ça Enoch expliqué non? Lune
Lèk li nouvel, lun nan preske pa gen lumye du tout. Ou pa kap wè li a zyo kon sa, fò ta gen apare an te pou wè li. Men au fil de tan, la pran enerji li, avèk sole la ki kap bali enerji, e sa fè au 6e jou, lun nan a moitié. E lèl rive nan 14e jou, lune nan réellement clair, il est brillant, il est toute force et ça relie nous plus à pleine lune nan. Et puis dans 21 jours encore, lune nan perdu moitié dans énergie li. Et puis dans 28 jours, ou pas elle encore. Mais comme nous connaît que moi abaya durer 30 jours, so ou pour ne pas elle 28 jours. Après 29 jours ou pas wè li et puis c'est 31 jours là parce que gen de mois qui gen 30 jours gen de mois qui gen 29 jours là explique que bagay moi ça ou bien pour n'a c'est là que le paraît encore c'est là que moi commencer c'est ça Enoch expliquer nous bien mais abaya te vle peuple ya konnen nouvelle lune peuple ya konnen fèt yo. Et ça fait que, après des liges de Noé, depuis ce temps des liges-là, Abaya fait ces actions pour que nous comprenions que ça est important pour lui. Jour ça est important pour lui. Jour ça, c'est jour pour mettre à part pour lui. Jour ça, c'est jour pour faire fête pour lui. Finalement, même, Jubilé, chapitre 5, là pour elle consacre, dit nous consacre à la nouvelle lune du premier mois de la cinquième année de la cinquième semaine du 26 jubilé. Jubilé, c'est un livre. Si on a besoin de compter combien de temps qui gagne, jubilé, bon temps précis. Léo du 26 jubilé, pour qu'on ait dans quelle année où tu as parlé, ou à multiplier 26 par 50. Et puis, 5e, il vient de 1300, 5e année, il vient de 1305, et puis, 5e semaine, ça dépend de qui l'heure que l'année a commencé, il est facile pour qu'on ait 5e semaine. Et bien, continuons. Encore, il dit comme ça que, et il entra dans le deuxième mois de la sixième année. C'est laissa que et laissa que Noé entre dans l'arche. Et pourquoi dis-nous non? Le Seigneur ouvrit les sept portes des eaux du ciel du grand abîme, les entrées des fontaines au nombre de sept entrées. Et les portes des eaux commencèrent à verser, et ceci durant 40 jours et 40 nuits. Et puis, il dit nous qu'on s'accueille à la nouvelle lune du quatrième mois, les portes d'eau du ciel furent contenues, et les fontaines du grand abîme furent fermées. De l'eau a tombé, et puis qu'on y a là, tout abîme y a fermé, qu'il a été passé quatrième mois. C'est nouvelle lune, quatrième mois. Où est-ce qu'il s'abaye à quelqu'un à faire là? Deux histoires de Noé, tout bagay a fait dans nouvelle lune. Et de temps ça, abaye à tout à enseigner nous saison. On a allé pour nous, à la nouvelle lune du septième mois. Qui s'est fait? Toutes les entrées de l'abîme de la terre furent ouvertes. Et l'eau commença à descendre dans l'abîme au-dessus. Kounya lawe, c'est à la nouvelle lune du septième mois. Ce qui veut dire que, depuis que vous parlez de temps Noé, c'est tant ça que vous ne te connaît. Parce que c'était seulement que c'est la famille Noé qui était vivant. Yo toujours à répéter ça. Ça permet que yo connaît toute nouvelle lune. Ça permet de connaître tout le moyen. Parce que Abaya Mikshu, que c'est ça, il fait dans ça. Et puis, on dit comme ça que, à la nouvelle lune du dixième mois, les sommets des montagnes se voyaient.
Ou elle était dans 4e, 7e et dans 10e. Qu'il y a ou bien tous les 4 saisons de devant. Et puis recommencer encore à la nouvelle lune du premier mois, la terre fut visible. Ce qui veut dire que de temps que ou après qu'il y a pas de dégâts de noyer, de temps que ou senti que c'est parce que peuple a dérivé en côté péché, il était monté, c'est tellement haut qui fait que peuple a dit comme ça que Bali détruit la terre. Et de temps ça que Abaya a ancié peuple là, la nouvelle lune, les saisons. Et puis qui ça nous après Noé vin fait mondo, tout le monde a célébré le sayo. C'est un jour de fête lié pour yo. Et puis nous pas trop long, Abaya vin ajouter deux fêtes. Il dit au frère célébrer. Qui deux fêtes que voyez, c'était fête de la moisson et fête des prémices. So le que dans temps Noé yo te célébré toute nouvelle lune yo. Yo te célébré toute leur saison commencé. Yo te célébré fête de la moisson et fête des prémices. Et puis gros fête que yo te célébré encore, c'est que le que yo wè yo fin sorti et puis Abaya dit comme ça que li pap détruit encore, li pap détruit là encore, li meteyon à arc-en-ciel. Et qui le sa fête né en nouvelle lune. Cela veut dire que mes chers frères et sœurs, nouvelle lune est important parce que il était besoin pour peuple là connait ça que les nouvelles lunes. Je suis parti pas n'en fin faire là. On est là, nous pas le temps des sœurs Blondine qui pour parler de effet que nouvelle lune a gagné sur connon. Shalom, shalom. Vraiment c'est mieux. Jodia, nous pourrons parler de l'effet que nouvelle lune n'a gagné son nom. Mais avant que moi commencer à parler de l'effet, moi t'as aimé faire une différence entre nouvelle lune et pleine lune, parce que parfois mon abord exemple, un exemple où senti que exemple non c'est pour nouvelle lune, et parfois senti c'est pour pleine lune. So gen moun ki pa konnen différence non. Non, nouvelle lune, nous voyons que moun rentre dans terre avec soleil là. Laisse arriver l'illumin par derrière l'illumin. Qui cause que son petit parti dans moun nan qui illuminé. Li kite yon fè noir dans monde nan. Et c'est raison ça y aurait les nouvelle lune parce que lune n'a pas illuminé, c'est juste un petit parti dans derrière mon nom qui illuminé. Mais là que dans l'autre bord, la terre avec soleil là, il est complètement illuminé. Il vient ban nou yon pleine lune. C'est différent ça moi te voulais faire avec nouvelle lune et pleine lune. Dans nouvelle lune c'est derrière lui qui est illuminé. Li vin ban nou on fait noir complète. Si nous suivons, nous gen doit voir que dans moment ça, li réellement fait noir que ou pas capable voir lune nan du tout. On petit parti tout petit. Maintenant, pleine lune, li illuminé, tout monde nan illuminé. Donc, n'a continuer pour nous dire sur le point spirituel. Dans nouvelle lune nan li représente nouvelle vie. Spirituellement li ban nou espoir pour futur nou. Et nous fait nous gagner en croire que tout bagay possible pour nous réaliser. Ou capable utiliser énergie nouvelle lune nan pour achever ça que ou voulez. Et dans moment ça ou capable penser avec ça que ou té réaliser dans passé ou par exemple si c'est que ou t'es fait non business que ou t'es entreprendre non réussi que ou t'es fait dans l'école ou etc. parce que dans moment ça c'est un moment de réflexion
pour réaliser, pour capable penser qu'ils sont voulu faire et au capable garder réussite que ont été fait déjà. Pendant nouvelle lune, c'est là ça. Nouvelle lune vin noir comme on se dit nous. C'est raison ça que yo dit dans moment ça pour aller dans profond concentration et pour inspirer. C'est dans moment ça que on ca aller parler avec grand mec là pour lui demander au qu'importe ça que vous voulez demander parce que deep concentration que vous gagnez inspirer que vous inspirer que grand maître là a pendé au parce que vous non concentration même j'ai dit l'a a médité si toute bagarre allait mal dans moment pleine lune que qui pas nouveau lune qui moment pleine lune si toute bagarre allait mal dans moment ça c'est dans moment new moon que nous capable gagner yon l'autre chance pour toute erreur que nous t'ai fait Jean Anglais a dit hein? New moon give you a clean slate. C'est pour raison ça, dans new moon, c'est un bel moment pour nous méditer, organiser et préparer plan que nous gagnons. Dans nouvelle lune, capoter inquiétude à changement inattendu. Li capable faire yon augmentation nan tension nerveuse non cap la cause comportement ki pa normal pendant n'ap rentrer nan phase nouvelle lune nan li gen yon effet li fait sou plante yo li rale de l'eau nan terre pou li monter nan direction surface la et puis li encourager fait yo grandir. Dans nouvelle lune, c'est plus bon moment pour planter n'importe plante. Plante qui grandit en l'air. Tant que laitue, épina, brocoli, chou, cauliflower qui sont ces yon lot en famille de chou. C'est pas un bel moment pour aller pêcher dans nouvelle lune. Parce que li paraît tout petit, li pas gros pour li capable clairer pour faire fichio vini. Pi bon moment pour aller pêcher c'est dans pleine lune. Parce que dans pleine lune li éliminé et poisson yo vini. C'est pour ça que fait depuis au commencement moi été fait différence entre nouvelle lune et pleine lune parce que dans moment gen moun ki pense nouvelle lune ou kal peche non nan nouvelle lune lumière ti lumière ki genyen an li fait noir poisson yo rete en bas yo pa monte so pleine lune c'est là ça yo monte ou capable peche al peche et c'est ça nou te genyen pour matin plus tard n'a valé nan plus détail de ki ça nouvelle lune nan fait sou nou même. Merci, que Abba bénisse. Merci, Sœur Mazine, pour toute information ça au bas nous de effet que nouvelle lune gagne sur nous-mêmes. Maintenant que nous pouvons continuer avec Elder Emmanuel qui pourra parler nous de nouvelle lune et la Bible. Merci infiniment. Et faites mon cher. Donc maintenant nous pour aller présenter vous comment que la Bible elle-même dit la question de la nouvelle lune. C'est que tout d'abord on a dit que des 26 versets dans la Bible qui traitent de question nouvelle lune. Dans l'Ancien Testament, nous avons 25 versets. Et dans le Nouveau Testament, nous avons 8 versets. Mais ça me devait attirer l'attention dans tout, c'est que là, on a parlé de Bible qui a 66 livres.
et le second. Mais faut ne pas oublier que il y a d'autres textes que yo considère comme apocryphe et que yo pas mettre à disposition. Et maintenant, le prophète Moshe a deux qu'il parle de yo, nous gagne le livre de Jubilé et nous gagne et le livre de Noé. Yo tous les deux livres ça yo, nous parlons de nouvelles. Ça veut dire que c'est pas seulement 26 textes ou versets qui est sur lui. Bien plus que ça, mais dans Louis II, 26. Le premier texte que nous avons considéré, c'est Nombre 10, le verset 10. Et nous, c'est le prophète Moshe parle matin, il fait une intervention. Bon, c'est moi qui introduis finalement la question. Ça. C'est que lui dit que faut nous sonner une trompette. Mais c'est que trompette là lui-même. C'est créateur même qui crée trompette là. Et il dit nèg qui veut contre trompette. Il va comme ça dans Nombre 10 verset 1 à 10. Côté que non seulement demande pour créer trompette et il vient dire que dans verset 10 là, comme ça tout, les gens contents. La fête est faite yo. Les premiers jours chaque mois arrivé avec la lune nouvelle là, n'a connait trompette yo tout parce qu'on a fait offrande pour bouler net pour servir pour Seigneur. À confondre pour dire bon Dieu merci. Laisse ça, ma vie aider nous. C'est moi-même qui sais, à bon Dieu nous, alors qui dit nous ça. Donc, c'est un jour pour nous sonner une trompette. Et, vraiment, j'étais fait sonner une trompette, je suis sonner une trompette là, je vais sonner une trompette, mais malheureusement, je ne suis pas trompette là. Ma continue, j'ai respiré, puis j'ai une trompette, mais je continue, donc, je encore sonner une trompette. Donc, nouvelle lune, il va fêter sa trompette. Donc, il faut faire trompette sonner dans la nouvelle lune. Mais la nouvelle lune, ce n'est pas seulement une fête pour nous sonner et trompette. La nouvelle lune, c'est encore une grande fête qui a plusieurs aspects là-dedans. Cette nouvelle lune, c'est une fête de famille que l'il y a tout. C'est l'occasion que les familles gagnent pour avoir ensemble, pour manger, pour prier, pour célébrer, pour réjouir. Mais c'est également une fête hautement spirituelle. Nous, on vient dans Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 20, verset 5, donc il y a une conversation entre David et Jonathan, est-ce qu'il y a trait à la fête de la nouvelle lune qui était célébrée en Israël, et c'était à l'époque du Saül, et avec le problème que David a avec Saül, qui était toujours besoin de tuer David, eh bien, les conversations, David répond comment Jonathan le dit, demain, c'est fête la nouvelle. Moi, tu as supposé manger ensemble à quoi? Mais avec permission, ma partie, je ne peux pas cacher dans le bois jusqu'après des ménages. Parce que Saül a cherché l'occasion pour être capable de tuer David. Or, les fêtes et fêtes là en Israël, eh bien, dans le royaume d'Israël, c'est au moins 3 jours que vous faites pour fêter nouvelle lune. Et ces 3 jours que vous fêtez joyeusement, gaiement, nous n'avons mangé avec quoi et roi à table, nous n'avons mangé. Et je souhaite que bientôt, pour nous occasion, vous me faites ça, nous avons fait une nouvelle lune, vous nous faites 3 jours de réjouissance, nous avons mangé ensemble, etc. Et dans Samuel 20, verset 18, nous voyons, c'est quoi l'arrivé. Après ça, je n'ai pas dit David. Demain, c'est fait la nouvelle là. Il y a vrai ou pas là, parce que place quoi après été vide. Donc, les fêtes célébration, ça, eh bien, c'est une fête protocolaire. Parce que chaque monde a une place par eux. Roi a une place par petit roi a une place par et David lui-même, comme un chef de l'armée, roi, il a une place par côté de Chita. Donc, c'est un bagage de haute société, c'est un bagage de haute qualité, c'est un bagage vraiment extraordinaire. Et dans Samuel 24, c'est comme ça. David a
caché colline dans jardin yo. Les fêtes là, les nouvelles arrivées, roi Saül une chita bon table là pour le manger. Donc roi Saül vient pour la bon table pour le manger. Mais cependant, Samuel lui-même lui pas là. Monsieur a le caché. Oh, le fait que monsieur a le caché n'a rage dans le jardin, eh bien, place monsieur a été vide parce que pas de monde qui a venu chita dans la place David là, parce que place chaque monde écrit non sous lui et que monde pas venu chita dans la place monde parce que c'est vrai qu'il y a un gros protocole et là-dedans. Et dans 1 Samuel, verset 27, il dit que, mais, dans demain, jour après jour, la nouvelle là, place David là, t'es vide encore. Donc, premier jour, elle est vide. Deuxième jour, place la vide. Et ça, il m'a dit, Jonathan, pour qui ça? David, petit Isaïe n'a pas venu manger, ni à elle, je dis. Parce que, donc, ça voudrait dire que, absence ou bien présence en dignité dans cette nouvelle lune, ce bagay qui est remarquable. Et non seulement roi après ça, et tout le monde qui n'a fait là après ça, parce que place David là, son place désignée, non David écrit sous fauteuil là, donc David lui-même lui va là, premier jour il va là, deuxième jour il va là, et troisième jour, roi. Et bien, il fait Jonathan, vous remarquez, ça a passé. Pour qui ça? Ni hier, ni jeudi, eh bien, David, petit Zahia, pas venu marcher. Et 1 Samuel 20, verset 34, dit que, il devait sortir de la table, en parlant de Saül, non pas Saül, non Jonathan, il était fâché en pile, juste à lui pas manger rien. C'était deuxième jour fête la lune nouvelle là. Ça te fait la peine un peu pour David parce que papa t'a parlé David mal. Donc David pas fini. Il pas assisté à fête là. Et maintenant, gon l'autre histoire encore qui est très déterminant dans affaire nouvelle lune là. C'est deux rois chapitre 4 et le verset 23 qui, bon, on résume deux questions, hein? Mais c'est quand un événement qui t'est passé. On lit Daniel, on lit verset 23 et après ça va bon, ça qui t'est passé. Marie Amandel, pour qui ça c'est jeudi là pour aller beaucoup de prophètes là? C'est pas un jour de repos, ni c'est pas un jour fête la lune nouvelle. Madame a répondu, ça va faire rien. Ok, qui s'est passé? C'est que le prophète Élie ou Élisée? Ok, Élie, je crois. C'est un très bon rapport, Élie, très très bon rapport avec la famille. Ça. Mais la famille, c'est que Élisée, c'est qu'on a dormi la caillou quelquefois, l'aile de passage. Et Élisée, c'est qu'on mangeait la caillou, et même tu fais une chambre, pour que Élisée, c'est qu'on dormi la caillou. Voici que y a un petit monde qui mourit. Et le petit monde, il met dans la chambre côté prophète et les économies. Et madame nous dit chez vous, il a passé, m'a déplacé, il fait préparer bouille pour lui, avec ses ventes, et il prend aller la caille, prophète là, pour la relâche prophète là, pour la dire prophète là, mes problèmes que j'ai dans la famille. Et puis, Marie a dit, mais, ou pas qu'à aller aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'est pas jour repos. Ni ce pas jour, faites la ligne nouvelle. Madame le poli dit, ça va faire rien. Qui s'est passé? C'est que jour repos, qui est le sabbat, ou bien les sabbats, et jour nouvelle lune, eh bien, c'est jour, ça y a que y a des miracles qui fait en faveur du peuple éternel, là. Même jour, je suis à Machia. C'est qu'on fait un miracle jour et repos parce que c'est jour de délivrance, c'est jour que monde qui était en difficulté rejoint la vie. Même les pharisiens ont été reprochés pour ça. Eh bien, jour nouvelle lune, tout. C'est un jour
de merveille pour Abaya. C'est un jour que Abaya a aidé un peu le monde sortir de la tristesse et lui mettre dans la joie. Jour ça, nous avons perdu un petit monde, un petit garçon qui mourit. Il était besoin que petit ça ressuscité. Je demande que le prophète là vienne faire un bagage pour petit ça et fille aller la caille prophète là et Marie fille a dit mais chérie juste il va un jour pour nous un jour nouvelle lune donc en conséquence il pas gagner assurance que gagner miracle qui va faire parce que miracle ça yo yo fait c'est un jour pour yo faire yo et c'est un jour la jour faire la nouvelle lune donc c'est pour dire nous combien que vous nouvelle lune c'est un jour qui est important pour le peuple Abaya. C'est un jour de délivrance que lié. C'est un jour de guérison. C'est un jour sous malade, ou à côté Abaya, et bien, ou grand plus de chance, ou grand plus d'opportunité pour Abaya, dit on bagaille pour vous-même, dans ce sens. Et fialité, malgré que je dis pas un jour de repos, malgré que pendant un jour nouvelle lune, on peut aller quand même, ça va faire rien, on peut aller côté prophète là, pour moi, c'est pas une guérison. Donc, ça montre nous l'importance hautement spirituel, hautement eschatologie, un jour hautement de délivrance, jour nouvelle lune. Et maintenant, dans 1 Chronique 23, verset 31, qui lui-même explique que nous on l'autre détail, qui lui-même montre nous comment que les travail les vite, ils ont même été gagnés pour le faire. Et dans l'équipe travail que ont gagné pour le faire en tant que les vite, et bien, nouvelle lune, dans tout, de les gagner activité pour les faire. Texte là, dit-nous que c'est pour yon là tout, les affaires offrandes pour yon bouler net pour signer à jour pour yon. Ah, nous, texte ça, jour pour yon. Et à l'air, nous, c'est pas jour pour, c'était jour pour yon. Peut-être c'est le hebdomadaire, le samedi. Mais là, c'est jour pour yon que nous avons traité il y a quelques semaines de cela. Donc, et fête des tabernacles, fête des trompettes, nouvelle lune, etc. Eh bien, premier jour chaque mois, ça veut dire que j'ai une nouvelle lune, à l'autre jour, fête, c'est le règlement qui te baille le travail, mon lévi, pour faire à quantité de monde qui vous fait travail, chaque travail. C'est une responsabilité, vous êtes toujours à servir CR. Donc, j'ai une nouvelle lune, non? C'est un jour pour faire offrir à l'Éternel. C'est un jour pour offrir des sacrifices à l'Éternel. C'est un jour d'action de grâce, jour nouvelle lune, lui-même lié. Et dans 2 Chroniques 2, et verset 4, nous voulons lui dire que je vais bâtir un temple pour Seigneur, bon Dieu moyen. C'est pour lui en caille, n'a pas mis à pas pour lui, pour qu'il n'a pas boulé dans le sang pour lui. Côté n'a toujours mettez devant le pain, il y a vos filio. Côté chaque matin, chaque soir, il y a vos fruits bêtes pour bouler net pour lui. Les jours repos, jours repos yo, les la lune nouvelle, avec l'autre fête nous fêter pour Seigneur. Bon Dieu nous en, j'ai été bien pour toujours faire dans le pays Israël là. Ça c'est pour projet que le roi David lui a gagné pour lui a construit un temple pour Seigneur. Il te connaît que ton plan, c'est pas lui-même. Personne n'a pas construit, parce qu'il a dit non. C'est petit, les Salomon qui a fait, mais il était déjà fait tout plein, toute planification, parce que juste à ces jours, que vous pouvez bouler ou encore faire des sacrifices de pour Abaya. Et dans 2 Chroniques, verset 13, il dit que l'offre est bête pour bouler net pour Seigneur. D'après l'autre, Moïse est bien dans la loi pour chaque jour fait, pour jour repos, pour jour la lune nouvelle. À coup trois gros fêtes que vous faites chaque année, qui le dit, faites pain salé de vin, faites des cotillons, et faites jour par eux. Donc, cette nouvelle lune, ce fait qui inclut, non parmi les fêtes spirituelles, non parmi les fêtes pour nous faire louange pour le Seigneur, non parmi les fêtes pour nous offrir des sacrifices d'action de grâce. Il y en a 2 Chroniques 30, verset 3, il dit, après ça, li prend un bête qui pour lui yo li bay pour bouler net pour Seigneur chaque matin chaque soir pour offrande jour repos yo pour faire la lune nouvelle à couleur gros jour fête yo Jean ça écrit
dans la loi Sinaïa. Donc ça c'est histoire des de rois donc et en Israël comment que ça ça t'est fait pour faire que de que fait ça capable vraiment en fait grandiose en fait et bien hautement spirituel. Et dans Esdras chapitre 3 verset 5 dit non. Après ça, yo offri bête pour bouler chaque jour. Bête pour bouler chaque fête la ligne nouvelle yo. Ak bête pour tout l'autre jour y a fait fête pour Seigneur. Ensemble avec toute l'autre offrande moun yo veut faire pour Seigneur sans c'est pas lui qui m'a dit au faire. Donc nouvelle lune il pas de jambe pas inclus n'est pas mis fête spirituelle yo et bien lorsqu'il s'agit d'action de grâce envers l'Éternel et fait pour offrir des sacrifices pour grand maître là et Néhémie 10 verset 50 dit non n'a pas tout pain pour yo mettre à part pour bon Dieu offrande graine pour chaque jour bête pour yo bouler chaque jour pour bon Dieu offrande pour jour repos yo pour fête la ligne nouvelle yo ak pour l'autre gros fête yo manger pour mettre à part pour bon Dieu offrande pour être péché mon peuple Israël yo à tout l'autre bagage qu'a besoin pour faire service dans ta bonne chère. Tout le monde, tout le peuple Israël là, te prend engagement pour que vous capable de toute qualité offrande pour chaque fête, pour chaque célébration en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur de Abaya et notamment pour fête nouvelle lune. Donc c'est là notre campé, donc pour matin, hein? Donc pour permettre que nous avons une première partie de 11 séries de fêtes ou encore 11 séries d'offrandes qui étaient toujours disponibles et que le peuple bon Dieu a pas de jamais négliger ça. Faites pince à levain, faites prémisse et autres et tout l'autre sabbat. Mais nouvelle lune qui est toujours là. Il ne va jamais oublier. Il va jamais mettre de côté. Il fait partie des fêtes perpétuelles que Israël et pour continuer à célébrer le Seigneur. Que Abba bénisse nous abondamment. Alléluia. 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 Gloire. Alléluia. Nous remercions Emmanuel pour un travail qui est bien fait à travers la Bible, à travers les noms de Bible, c'est les 66 façons de livres. Nous à continuer le programme avec l'importance de la nouvelle lune. C'est elle de Nelson qui va présenter la dernière partie. Merci, prophète Moshe. En réalité, ça pourrait savoir constater tout ça que nous est dit. De nouvelle lune, eh bien, commencer avec le prophète Moshe, le Blonding, et le Emmanuel, tout bagaille déjà dit déjà. Donc, pas besoin de faire répétition, mais ça que moi je voulais attirer attention, non? C'est que nouvelle lune, l'important pour nous-mêmes qu'à vivre dans le moment ça. Parce que nous avons servi Abaya, Dieu pas nous, qui te mettait toute bagaille saillot à la disposition de l'homme avant même qu'il t'ait créé lui, pour que l'homme soit capable d'observer. Ce n'est pas sans raison que Baïsayo t'ait créé avant même l'homme divin à l'existence. Si nous avons sagesse, et si nous intelligents, nous comprenons que l'innécessaire, l'important pour nous jeter un coup d'œil, faire recherche pour nous poser peut-être nos questions,
Mais si tout bagaille ça existait, il existait avant même que moi-même, bon Dieu, t'ai créé, ils ont sept moyens. T'ai créé Adam, le premier homme. Mais c'est pour moi chercher qu'on est un potentiel qui lève, comment je suis capable d'appliquer dans la vie moi, comment je suis capable d'observer dans la vie moi, pour que je suis capable d'être connecté non seulement avec Abaya, mais pour connecter avec nature, sa création, sa, qui a un pire instruction là-dedans, qui a un rapport avec quoi ça que moi gagne. Si nous faisons des études, nous faisons des recherches, na ouais, il y a un petit bagage qui gagne la création, yo lié avec organe nous yo. Yo lié avec cerveau nous. Donc, l'important pour que la nouvelle lune ça fait ça a venu pour nous connaître que c'est pas n'importe fait qui est lié, son fait de renouvellement de vie, son fait que t'es pour nous capable considérer vie nous à tous les niveaux. Projet, plan que nous gagnons à tous les niveaux, physique, mental, spirituel. Parce que via pas forcément de physique, de matériel, l'effet tout de mental, qui veut dire que nous gagnons connaissance de vie ça. C'est pas par accident que nous là. Nous venons parce que Abaya voué nous pour nous connaître, pour nous gagner un secret, un pile bagaille qui est dans la création, pour nous appliquer dans la vie, nous, pour nous enseigner l'autre monde à appliquer parce que l'ennemi est venu détourner l'esprit en pile monde de réalité. La vie que Abaya te mette pour nous. Donc, importance de nouvelle lune, nous devons penser en considération. Si nous pas observer nouvelle lune, eh bien, nous capable de nous pas aussi accorder importance à changement que nous devons porter dans la vie, nous, pour que chaque mois, nous pensions à une nouvelle vie. Parce que moi dernier, il y a pile bien nous pas fait, nous t'ai manqué, nous pas réalisé. Mais qu'on y a une nouvelle lune qui sont ses commencements, un nouveau mois, eh bien, nous devons chercher moyen pour que nous fassions des préparatifs en conséquence. Mot nouvelle lune, je dis nous en hébreu, je relève le Kadosh. Kadosh, c'est comme ça que je relève. Nouvelle lune, je dis à l'immaquée naissance. Ouais. Je dis à Joussabassa, qui non seulement nouvelle lune, non, eh bien, l'immaquée naissance, non seulement nouvelle lune, mais l'immaquée on va dire la renaissance de la vie par nous. Nous devons naître, nous devons naître de nouveau. Chaque monde, de nous et moi, passé, moi, je vais passer, nous devons se lever sur le mal, nous dire, oh, à pas moi, et moi, septembre, presque arrivé là. Oui, moi, septembre, presque arrivé. Mais dans le calendrier, mon Dieu, lui-même, c'est pas seulement que, si nous observons le calendrier, ça, normalement, dans le moment, ça, depuis longtemps, c'est le calendrier grégorien qui n'a pas gagné rien à revoir avec nouvelle lune. C'est ça que nous observons, c'est ça que nous n'avons pas gagné connaissance, ça.
Mais si nous, de préférence, retournons au calendrier de Dieu, eh bien, nous joignons que l'est important pour que nous soyons capables d'observer nouvelle lune. Et chaque mois, une nouvelle lune. Nouvelle lune, lui commencer une nouvelle vie pour nous tous. Donc, dans toute phase de la vie, nous devons penser à exécuter projet que nous gagnons, aspiration que nous gagnons. C'est une fête spirituelle qui est liée. Nous attendons que de manière, ce n'est pas une fête spirituelle. Il y a un pile de bagages que nous sommes capables de faire, nous faisons ça pour nos fruits, des sacrifices à l'éternel. Nous sommes capables d'adorer lui, son jour de réjouissance spirituelle. Donc, importance, juste ça, nous devons penser à lui-même. Si nous pas fait ça, c'est dit que nous éloignons de jour en jour des oracles divins. Nous éloignons de jour en jour de la Torah, parce que Torah dit prévoir tout le bagage sérieux. Sa blondine parle nous des effets que nouvelle lune a porté dans la vie nous. Raison, c'est parce que quand nous, au cas nous, y a gagné une relation avec nature. C'est ça fait que nous capables de vivre dans la nature ça. Parce que quand nous compatibles, organes nous compatibles avec tout ça qui gagne dans la création, c'est ça fait que Abaya mettait des arbres, des feuilles, feuilles des arbres pour que ça, pour que nous capables de joindre guérison dans yo. Mais si nous avons une connaissance ça, côté nous pour joindre bagage, nous joignons que c'est grand messie savant yo. Ouais, capoter remède manou et remède soi-disant naturel du côté manou yo, eh bien yo mettez aussi l'autre bagaille dans yo pour que et bagaille ça yo affecte santé nous. Donc li important que nous gagnions la connaissance et Abaya promet que la banou toute connaissance création toute connaissance qui gagne en création. Pour nous connaître qui lien qui gagne entre nous à chaque élément qui vient dans la nature ça. Donc à nous essayer chercher qu'on est calendrier Abaya. Bien que il y a pile bagaille qu'on a observé selon calendrier grégorien. Oui, nous connaissons ça parce que Jean-Monsieur Yo est établi mon ça d'après la loi qu'il a fait. Bon, c'est la loi, nous tombons en bas. Mais toujours penser à aller dans le calendrier à Baya pour nous capables de joindre toute importance qui gagne. Ouais. Non, je fais à Baya yo. Elder Emmanuel mentionné, nombre 10, verset 10, côté que nous devons célébrer fête sa yo avec joie. Nous devons sonner trompette, nous devons offrir des holocaustes, sacrifices, actions de grâce. Eh bien, ça, à faire Abaya content et vraiment n'a identifié tête nous comme peuple Abaya. Mes amis, si nous devons continuer à parler, n'a pas dit en pile bagaille.
parce que pendant les siècles, nous jouons que et nos ancêtres nous ont. Et jusqu'à ce moment-là, il y a des gens qui ont observé la loi à Bayayou, qui ont observé la Torah. Mais nous jouons, en plus de monde, tout, ils ont choisi plus capable de rébeller, plus capable de désobéir à la loi de Dieu. Eh bien, nous voyons que chaque événement qui pourrait le prendre, dans l'histoire biblique, nous jouons toujours, événements sont toujours commencés à la nouvelle lune. Restauration. Dans le temps, Esdras et Néhémie. Nous trouvons que nouvelle lune fait partie de restauration de Jérusalem. Chaque fois que un chef en Israël est resté porter un changement, une restauration, eh bien, il était inclus observation sabbatio, nouvelle lune et jour saint. Abaya, ba pepli. Nous pas bien temps parler de mosquée de verset, mais si nous regardons vraiment à travers la Bible, même dans le Nouveau Testament, nous avons autant de Yeshua, autant de disciples, eh bien, faites ça, yo, t'es observé. Eh bien, la Bible, dis-nous que nouvelle union, yo gen plus capable continuer observer yo. C'est ça fait que Abaya dit nous à travers le prophète dit Esaïe chapitre 66 verset 23, il dit à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat tout chien viendra se prosterner devant moi de l'Éternel. Nous gen des années n'a répété verset ça. Mais nous pas jamais comprendre nouvelle lune qui s'allie pour que raison que nous devons observer nouvelle lune. Et puisque nouvelle lune est observée par l'ancien Israël, que Jésus est apporté d'observer la loi. Si observer la loi, c'est-à-dire que il était observé sabbat, il était observé nouvelle lune. Donc, il est parfaitement logique que Abaya li désirait que nous qui vivons dans ce moment ça nous ouais importance pour nous capables observer la nouvelle lune ou bien la nouvelle lune et nous joindre et si chaque mois il y a une nouvelle lune eh bien nous gagnons dans 12 mois ça on va rentrer dans trop de détails parce qu'il y a l'autre détail capable sur ça nous doit mettez vino en préparation pour que chaque nouvelle lune, chaque mois qui pourra commencer, de commencer par une nouvelle lune, pour nous connaître en tant qu'Israël, qui ça nous doit faire, qui préparation que nous le fait, et nous devons connaître qui est fait, et qui ça que nous devons présenter à Abaya dans le jour ça. Puisque l'après-midi, nous sommes pour nous capables de retourner encore. C'est ça que nous sommes capables d'ajouter à l'importance de l'observation des nouvelles lunes. Que Abaya bénisse nous. On nous dit Alléluia, Alléluia, Alléluia.